Hey, salut à tous les amis, c'est Jeuprof68 et aujourd'hui on se retrouve sur le HS numéro 2 de Company of Heroes Blitzkrieg Mode. Donc, d'une part, j'espère que le premier HS sur Vallée de la Vire et donc sur Blitzkrieg Mode avec la doctrine défensive de la Wehrmacht vous aura plu et vous aura donné des techniques ou des idées pour faire à ce moment-là vos défenses. Et, qu'est-ce que je veux dire? Et que, bah, le mode Blitzkrieg, si vous ne le connaissiez pas, vous plaît aussi. Hein, enfin, vous a donné peut-être envie d'y jouer. Alors, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur un... Donc, vous avez vu sur Blessé... Oula, comment j'écris Bundebrother. On se retrouve aussi donc sur une doctrine de nouveau de la... On va dire de la... Des groupements de l'Axe. Mais je ne serai plus Wehrmacht, je serai les troupes blindées d'élite. Donc, pour moi, qui sont un peu les Waffen-SS dans le jeu. Mais bon, je peux me tromper. Alors, on ne sera pas sur Colline 331, celle-là sera la prochaine vidéo où on sera de nouveau la doctrine défensive. Oui, je remets la doctrine défensive au bout du jour, mais sur une colline cette fois-ci. On se retrouvera sur... La map, elle est où? Train, qui est donc une map de la campagne, pour ceux qui connaissent. Donc, pour ceux qui sont en train de me suivre, bah, désolé, mais bon, je sais que c'est pas, on va dire, un spoil, mais c'est pas tout à fait un spoil, c'est entre gros guillemets. Donc, voilà. Et la prochaine, hein, je ne sais pas encore sur quelle map ce sera. Donc là, c'est pour toi, Anthony et tous tes copains de reconstitution, et bientôt moi, j'espère. Je ferai les Américains, je serai donc Américain, je prendrai les alliés, et j'utiliserai la doctrine de l'infanterie, où j'utiliserai bien sûr en masse les Rangers, et les positions, c'est aussi défensif, l'infanterie est assez défensif aussi. Et j'espère que tu regretteras, que ça te plaira, car j'essaierai d'utiliser vraiment au maximum les Rangers, car ils sont franchement très bons, très bonnes unités donc. Ensuite, non, pas 150, 250, déterminé, élevé, panier orageux, sinon on verra rien, mi-journée, on va prendre ça. Troupe blindée d'élite et on va mettre un Nia normal en face. Oui, je sais, je me mouille pas trop, mais au moins j'espère pouvoir faire la mission sans trop de soucis. Normalement tout est fait. Ouais, c'est bon. Ouais. Annuler le décompte. Excuse-moi, là tu viens vraiment me faire un faux espoir, mon gros. Je suis vraiment désolé pour lui, mais bon, j'aimerais jouer clairement. Pour le moment, qu'avec des IA, commencer avec des IA, et après, si vous voulez que je passe avec contre d'autres joueurs, ce sera sûrement des amis, qu'on puisse bah, me dire, voilà, on discute ensemble, et on verra comment on s'arrange. Mais pour le moment, voilà, un gars comme ça, c'est une partie qui va trop durer, je pourrais même peut-être pas faire mes défenses, sans vous les montrer. C'est pour ça que je compte des IA, certes, c'est moins passionnant, mais moi, les IA sont un peu comme dans la campagne, ils sont un peu scriptés d'une certaine manière. C'est pas le mec qui va vous charger d'infanterie ou essayer de tout faire pour tout vous prendre vos points, voilà. Même si des fois, les IA sont assez casse-pieds, je dois l'avouer. Alors, j'ai aussi aujourd'hui, donc le 4 juin, l'épisode sur Saint-Fromont est sorti, donc de la campagne hein, que je fais avec Back to Basic, donc si vous voulez aller le voir, je vous en prie, allez le jeter, il est disponible en partie 1 et en partie 2, car oui, c'est niveau 2 parties, et j'espère que je ne vais pas fail à cette vidéo, et qu'elle sera totalement agréable à la vue, et vous donnera aussi des idées pour faire des défenses. Donc je rappelle, je ferai des défenses totalement réalistes, au plus proche du réaliste possible, car c'est un peu, je vous rappelle, mon objectif et ce que j'aime bien faire dans ce jeu. Donc je vais essayer de défendre complètement cette ligne, on verra comment. Donc vous pouvez voir en fait que ma défense, ma seule défense hein, d'ailleurs que j'ai, c'est mon canon de flak 38 de 20 mm. Et parlons déjà des doctrines maintenant, enfin des tactiques. Nous avons tactique de la terre brûlée qui avait d'abord été utilisée par les Russes puis par les Allemands, qui donc c'est peut-être une tactique de repli, on fout le feu à tout ce qu'il y a en fait. Là, c'est une tactique un peu mixte où on va vraiment emmerder les alliés avec des barrages routiers, des attaques qui peuvent poser des mines, des constructions de bunkers de 20 comme je vais essayer d'occuper. On peut brûler des territoires, donc détruire des points, piéger des maisons, créer des sections de sabotage, pilonner un secteur, avoir de l'artillerie, des obus incendiaires, des attaques de transport de munitions lourdes, etc. C'est vraiment une tactique, en fait, on va dire clairement défensive. Pour moi, enfin, je peux trouver de la défense là-dedans. Ensuite, nous avons la doctrine des chasseurs de charges. Je vais vous la montrer dès que j'aurais donné les ordres à mes hommes. Excusez-moi d'être un peu long. Donc, parlons déjà un peu du début de la doctrine des chasseurs de chars. C'est une doctrine, en fait, une tactique qui est, comme je le dis, spécifique chasseurs de chars. C'est-à-dire, on aura chasseurs de chars légers, Jagdpanzer, puis Jagdpanzer 4 de nouveau, Jagdpanzer, Jagdtiger, Nachtschwarm et des chasseurs de chars lourds. Comme vous pouvez constater, on a des optiques, on a des réductions sur la production des chasseurs de chars. Nous avons des détections de blindés, donc ça les détecte un peu mieux si je ne me trompe pas, des équipages en élite, et nous avons des Panzer Schnecker, donc en fait des unités spécialisées anti-char. Donc on a vraiment full anti-char cette doctrine, et moi on prendra la tactique de la Luftwaffe, qui est pour ma tactique défensive, mais qu'on peut quand même attaquer quand on a les Panzer 4 et 2, et les Panthers qui changent déjà de la doctrine défensive.
Nous avons aussi, et ça je vais prendre après car je sais pas, ouais, ils ont bientôt fini donc c'est plutôt cool. Nous avons aussi, je vais me permettre d'en parler en fait le temps que. Voilà, le temps que je peux. Tant que je peux parler, en fait, bon, on va en profiter. Nous avons aussi des Fallschirmjäger, mais bon, pionniers. Des Fallschirmjäger, nous avons les Bergjäger qui sont en fait des chasseurs alpins. Et qui sont vraiment classe, je dois l'avouer. Et donc leur insigne, c'est les Belvaris, si je ne me trompe pas. Nous avons le 88, du soutien de 88 d'appui, en fait, du 88 artillerie. Des unités entraînées en vétérans, du soutien d'armes lourdes. Et de l'aviation qui peut nous aider. Donc, on va dire une bonne doctrine comme on l'aime bien. Hop, tac. Tac, tac. Voilà. Ensuite, on fait ça. Section écoutée, Voilà. on s'y met tout de suite. Alors, ayant présenté toutes les doctrines, c'est On bon. a déroulé les barbelés. Bon, pour une fois, il s'enferme à l'intérieur. C'est plutôt. Non, c'est peut-être plutôt bien parti comme vidéo. Tac. 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 Commencez la construction. Courez aussi vite que possible. On se met en route. Tac, tac, tac. Je n'irai aussi vite que possible, les gars. Ouvrage achevé. Nicolas, préparez-vous à partir. On s'y met tout de suite. Hop, est-ce que j'ai de quoi créer? Yes. Chaud de centrum. Donc le temps en fait que eux font quelque chose, on va pouvoir se dépêcher de faire ça. Section d'infanterie prête à avancer. Hop. Partons. Unité prête. Grenadier prêt. En ligne. Allez. Donc on va peut-être même cela les mettre au mieux, à voir. Ah. Donnez-nous vos ordres de mission. Voilà ce que je vois. Un joli Alftrag, une jolie Jeep avec un canon sans recul. Véhicule blindé sur le terrain. Donc le véhicule blindé est arrivé, on va pouvoir tac lui donner l'ordre. On vous reçoit 5 sur 5. Parlez en avance pour conquérir la cible. Donc eux, ils vont mettre utile à ça. Eux, ils vont m'être utiles en fait clairement à voir ce qu'il y aura en face, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, hein, clairement, on soit d'accord là-dessus. Ici, il n'y a plus l'air d'avoir les unités, donc on va vite pouvoir capturer. Donc c'est vrai que là, je vais pas le cacher que le. Que mes unités, je veux dire que Ah zut, la Wehrmacht me manque pas parce qu'en fait je n'aurai aucun point de défense, je veux dire je n'aurai aucune unité qui va permettre de sécuriser les points, donc me rapporter plus de points. Donc ça sur le coup ça fait un peu suer, je ne vais pas le cacher. Pardon. Parfait. Véhicule paré au combat. On va se dépêcher de sécuriser le plus de munitions possible. La position a été sécurisée. Au moins j'en ai en rab. Tac. Voilà, voilà. Donc je peux, voilà, vous pouvez maintenant, je vais aussi vous montrer, je peux créer donc des canons chars de 37, des Kettenkrab, des Schumbragen, des Opelblitz canons de 20. Le véhicule de capture de points, donc de reconnaissance, le SDKFZ 222, le SDKFZ 221 avec le 4028, et le SDKFZ 222 avec le 4020, des Nebelwerfer. Donc le Puma Packwagen, amélioré bien sûr avec le logistique. Et à côté, donc j'ai Altrak de soins, et les petits SDKFZ 250, donc de transport, de anti-char, et puis 37, mortier, hop, ça c'est fait. Donc vous voyez en fait le skin n'est pas spécialement joli, hein. J'ai pas eu le temps bien sûr de faire une vue dessus. Mais bon. Voilà voilà. Je vais. Hop, hop. Voilà, ça commence bien. Comme je l'ai dit, j'ai pas. Par contre. Ça, c'était sûr. Alors je sais pas si Sniper il est encore là, ça va me faire plutôt suer. On peut leur faire gaffe. Donc là-haut ils veulent déjà essayer de passer. Donc on va s'empresser de capturer ici et d'en faire un QG.
Donc vous voyez que le Shin n'est pas forcément plus beau. Avant ils avaient des skins un peu plus réalistes. Donc j'en ai parlé, voir s'ils pourront faire des améliorations là-dessus. Et normalement, d'après ce qu'ils m'ont dit, oui. Donc c'est plutôt pratique. Donc franchement, je le souhaite et j'espère. Hein, ça, j'ai pas à le cacher. Je le souhaite vraiment qu'ils refassent des skins beaucoup plus Normandie, beaucoup plus réalistes de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils ont maintenant. Hop, tac, tac. Maintenant que ça c'est fait, on va les faire acheter juste ici. Allez, on va faire le 4, c'est pas cool. Va falloir que je liquide le tireur et assez rapidement. On va attendre qu'il tire de nouveau. Il est dans le coin si je me trompe pas, hein, donc j'ai un peu joué aux idiots là. Ah, mais vous êtes sérieux là. Voilà. Hop. Hop là, bon, je ne sais pas combien de minutes je suis. Ah, il passe. Bon, il a quasiment plus de vie, c'est plutôt pratique. Profiter un peu de la distraction comme ça pour pouvoir emparer l'écran. Ah, il faut dire. Ah, non, je vais faire bombard. Ah, je me fais marrer la gueule. Ah, j'ai pas lancé le fail. Hop, c'est bon. Hop là, bon. Sortez de là, vite. Ils vont se faire broyer. J'avais raison. Allez. Planquer nos unités au maximum. Du moment qu'ils perdent leur véhicule, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Par contre, il faut déjà que je l'arrive à leur faire perdre. Alors. Les renforts de la Luftwaffe se préparent. Section parée. Grenadier en avant. Allez-y, on y va. Oh yeah, vache. Ce que je viens de me faire rec dans la gueule là. Hop. Tirez sur les flous soldats. Tirez sur l'infanterie.
va leur faire tenir la position. Paré à transmettre les ordres. Hop. On va donner l'ordre. Ah merde. Ah, j'ai rien. Ok, génial. J'ai de quoi te faire vite une MG42. Ça, ça sert pour le soin. Donc ici, je mettrai une photo actuelle maintenant, vous devez la voir, du QG que j'ai fait durant la... quand je suis de la Wehrmacht. Donc voilà. J'espère que ça vous donnera aussi des idées, donc vous pourrez être prêts. Hop. Ok, d'accord. Ce que je viens de me prendre, c'est tellement violent. Hop, toi. Ah zut, j'ai pas fait ça. Vite, 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 vite. Ta cible. Ta cible, ça va être vite vu ce que ce sera. Alors, je pense qu'on a tous alentours de 15 minutes là. Même là, j'ai pas assez pour le faire, le tour du chasseur de chat. Oh yeah, yeah, yeah. Ah mais... ça c'était sûr. Ils vont pas bouger, ils vont rester en repli pendant un moment jusqu'à ce qu'ils peuvent. Et moi j'espère qu'entre temps j'aurai de quoi contre-attaquer. Donc voilà. Donc je vous dis à toutes, hein, et j'espère qu'on se reverra. Ben, tout ira bien et que les défenses seront installées. Allez, à toutes, bises. Donc voilà, je commence peut-être la défense, donc j'espère pouvoir la faire. Donc hop, tac, MG42. Oulala, il y a du lag, c'est tac. Hop, on fait péter ça. Alors, j'ai le pack wagon ici qui m'a été utile jusqu'à maintenant. Et il va s'avérer utile car en fait, bah, y a un méchant char qui se pointe là-bas. Donc je vais devoir le faire patienter. Relevé. On se met en route. Et toi. Section prête. Je vais installer le pack juste ici. Donc peut-être ça va bugger, mais bon, ça fait réaliste et normalement ça tient. Sérieusement. Il a pas à être intéressé par mes unités. Donc ah ouais, d'accord. Cible importée. Feu. Vous ayez cette cible. Il va tout me casser. Allez, on se déplace. Tourne. Véhicule en avant. Ah, ça va jouer au poil de... franchement au poil de bite. Oh, génial. Nous devons bouger. Allez, hop. On l'a eu. Aïe, on m'a eu. Voilà, 1,88 de feu, donc c'est un petit emplacement, vous pouvez constater, avec 100 plaques, donc qui est franchement très utile, je ne le cache pas, c'est franchement pratique, qu'il soit petit comme ça, on peut vraiment le fourrer partout, et c'est génial. Alors, maintenant le deuxième 88 sera placé en bas, donc je vais préparer mon MG de 42, et toi, est-ce que tu peux réparer? Oui, bah c'est génial. Tu vas installer... tu vas t'installer juste au milieu comme ça. Toi, tu vas être en soutien de lui. Ah, il
tentent déjà de passer. Ils tentent déjà de passer. Et c'est pas bugué, donc c'est bon. Les forces ennemies attaquent nos dépôts de carburant. Par contre, ça, c'est pas bugué. Et ça va me poser problème. J'ai quasi assez. Ah bah non, pourquoi je fais ça? Je fais... Rassemblement, soldats. Prêt. Ce sera fait. Je me charge de la mitrailleuse. Hop. Vous, amenez Lada. Alors toi, tu restes là. Toi, tu te dépêches d'aller là. Et toi, tu vas aller là parce que ce sera le prochain endroit. Alors. Pratique, hein, allez. MG42 90 d'air. Après vous pouvez encore mettre une tranchée devant hein, si vous voulez. Et c'est peut-être même ce que je vais faire, une petite tranchée devant. Ah ouais. Par contre, du moment qu'il repère le bâtiment. Ah mais il a été repéré par mon canon. Bon. Oh ouais, mon arbre. Pas mon arbre, méchant char. Alors. Hop, on a des entraînements améliorés. Ah, à ce que je vois, ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas le char. En formation. Donc, toi, tu captures. Vite. Sécuriser la position. Pas d'ennemis en vue. Les hommes ont envie de se battre. Ah, you mad, hein. You mad, le Sherman, hein. Voilà. Déjà. Prêt à exécuter vos ordres. Un point défendu. Alors, est-ce que lui, il peut casser les rambardes? Parce qu'il faut juste que je les casse. Oui, génial. Alors, casse-moi juste les rambardes. Ça a l'air de bon, hein. Toi, t'es là pour spotter. Il est où, mon... Ah, ils sont là. Toi, tu vas t'installer ici en défense. Allez, 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 allez. Excusez-moi, franchement, ça m'étonne que ça lag, en fait. C'est surprenant. Et tac. Voilà. Pointé vers la route. Donc oui, je mets un flak 88 ici. Hein. Je vais mettre ensuite... Sortez la mitrailleuse. Si c'est possible, bien sûr. Mon MG42 dans ce bâtiment. Je sais que dans un bâtiment, c'est pas sécurisé, mais il y aura juste cette fenêtre ouverte et c'est utile à souhait. Ça permet franchement de faire la défense. Après, ce que vous pouvez faire, c'est... Espérer que si maintenant je mixe avec une tranchée... Voilà. Ah, la tranchée ne peut pas rentrer ici, c'est dommage. Mais après... c'est con qu'elle rentre pas comme ça, la tranchée. J'aurais pensé. Vous voyez, j'aurais pensé qu'elle aurait pu rentrer ici, mais bon. On voit que j'ai les... Je suis un peu gourmand, je vais sortir un track de soins. En fait, ce track va me permettre, parmi les autres d'ailleurs, et le track de munitions, d'aller... de bâtiment à bâtiment pour en fait redonner de la vigueur, je vais vraiment clairement prendre ce mot, de la vigueur à mes unités, et ce sera très très pratique. Après, ce qu'on vous pouvez faire aussi, c'est utiliser donc les unités de Pachymaker comme défense, que vous installez, pas envoyer en... On dirait qu'ils veulent notre peau. Ah, ils rattaquent, ils tentent. Mais non, il peut pas. Je vais prendre les Gabi Jäger pour le moment. Génial. Alors, c'est génial que j'ai des chutes comme ça. En fait, ça sent, c'est, je pense que les chutes, et c'est ce que j'en déduis, c'est que dès du moment, moi, du moment que les ennemis créent une unité, c'est bon. J'ai une baisse d'FPS. Et les trois quarts du temps, quand j'ai une baisse, ça veut dire qu'il crée un char. Donc, je sais à peu près ce qu'il crée à chaque fois. C'est dégueulasse, mais bon. On va pouvoir faire ça encore. Et après on va faire développer cela. Et en fait notre objectif sera juste de prendre le village hein. Si on a le temps, bien sûr. Parfait. Mais il s'entête hein. Il s'entête, ils sont courageux, ils s'entêtent. Mais bon. Tu vas plutôt aller sur le... Aller entre. Bon, ce sera beaucoup mieux déjà. Toi, tu peux te barrer aussi. Et une tranchée, comme je dis, ne serait pas trop. Ah, voilà. Mais là, j'ai peur en fait qu'il soit vraiment pris en feu en premier. Donc, on verra. On verra. Mes unités sont full. C'est pratique. Ah, le Altrak s'emmerde. Hein. Clairement, on sent que l'Altrak s'emmerde. Ouh.
je tire sur le Sherman plutôt que tirer sur... Voilà, ouais, tac, la vie, elle remonte. Donc en fait, dans la campagne, soit j'installerai le 1588 ici, soit j'installerai là-haut. Après, c'est à vos choix, par contre, faut juste dégommer ce bâtiment, préalablement. Donc, ça, ici, donc la défense est faite. Entre guillemets, pour moi, elle est faite, la défense. Après, comme unité qu'on peut mettre dedans, ben, soit je pourrais mettre ça, le problème c'est qu'après j'aurais pas assez de bonhommes dans la tranchée, donc et comme c'est une capacité de 7, c'est pas non plus la meilleure des idées. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement donc là déplacer nos unités et sortir voilà deux grenadiers d'assaut qu'on mettra dans les deux tranchées respectives. Ensuite, vous allez bouger. Alors, déjà, vous allez bouger là. Toi, tu vas bouger devant. Toi, c'est bon. T'es soigné. On va pouvoir vous mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Et toi, tu vas miner ce bâtiment déjà. Ensuite, en attendant, je vois que j'ai pas mal... 75, 77, ouais, ça me fait tout juste. On va prendre ce truc pour le moment pour améliorer. Ensuite, je pourrais créer un Panzer 4 pour pas trop cher. Ou alors je crée tout de suite le Bergentiger, en fait, qui va me permettre de réparer mes véhicules assez rapidement. Et à peut dire est beaucoup plus rapide. Vous voyez ici, le skin est déjà beaucoup plus propre. J'aurais pensé qu'ils réutiliseraient que ce skin. Mais bon, ils ont fait du changement. C'est eux qui décident. C'est leur mode, hein, clairement. Je vais pas en rediscuter de ça. Eux, ils se soignent. Ah, quoique, on sera peut-être pas obligé de le faire, mais bon. Ensuite, je peux améliorer tout sauf lance-roquettes, ce n'est pas pratique, mais au moins, contre l'infanterie, c'est pratique. C'est tellement facile. J'ai même, en fait, le problème, c'est que je peux pas vous montrer parce que je ne sais pas qui sont... Je ne sais même pas, en fait, qui est là-haut, donc je peux pas savoir... voilà, le Bergentiger va sur la route. Ah, est-ce que c'est du mortier qui me tire dessus? Je ne sais pas. Ah, attendez, petit. Là. Donc, je vous montre hein, ce que ça rend. Je vous l'ai déjà montré, mais bon. Le bruit aussi de MG42, j'ai pas souligné ça la dernière fois. Le bruit. Et regarde, franchement, je vais me mettre derrière mon 88. C'est ce qu'il voit. C'est pédé. Franchement, comme vu, c'est horrible. Mais c'est génial, car ma défense, ma ligne tient. Après, comme je le dis, et je vais le répéter, vous connaissez mon point faible, c'est l'artillerie. Vous me submergez d'artillerie, je suis par terre, hein. On se déploie sur la position. Il est où le Bergentiger? Bon, je vois qu'il est bloqué, mais bon. Alors, est-ce que je peux faire une tranchée juste devant le 88? Ah ouais, un peu mal orienté. Faut juste que je casse ça. Donc on ira le casser après. On peut même aller le casser de suite. Ensuite ça, on range les QG. Donc tout ça, peut-être je vais même implanter la photo maintenant, comme c'est un peu plus propre. Voilà, tac, ça. Alors, comme unité, en fait, ça permet de faire des nids d'MG42. Ah, ils attaquent de l'autre côté maintenant. On est prêt à passer à l'attaque. Saisis un peu de nerf, les gars. On est attaqué. Et voilà. Donc là, maintenant qu'ils essayent de passer, c'est tout ce que j'ai à dire, qu'ils essayent. On va s'amuser. Donc, parfait, ça tombe. Production d'une MG42, s'il te plaît. Et au final, je pense qu'il manque pas beaucoup, en fait, pour faire ce que je veux. Donc finalement, le Bergentiger n'était peut-être pas obligé. Ah d'accord, en fait j'ai complètement bloqué mes véhicules ici. Ok, on va essayer d'arranger ça le plus rapidement possible. Ok, les unités sont prêtes. Toi, stop. Toi, tu sors. Toi, je peux créer quoi? Pas grand chose. Okay. Ah, pas. Repli, messieurs, ce sera beaucoup plus sage, je pense. Ah, petit lag, attendez, tac, c'est bon. Tac, donc la défense ici est faite aussi, vous voyez, MG42, peut-être pas tarder à tirer. Et le bruit, franchement, le bruit de l'MG42, vous en pensez quoi, vous?
Génial, hein. Moi, franchement, je suis... Ah. Ah, ça va, ils ont pas pris. Prêt à transmettre les ordres. Habituellement, ce bruit, c'est un bruit de l'artillerie, et j'aime pas ce bruit. Véhicule opérationnel. Bien. Je vais à poil m'avancer quand même avec mon véhicule. Tac. On attaque la cible. Voilà. On spot le mortier au moins. Il peut pas me bombarder. Bonne tranchée juste devant comme ça, c'est perfect. Toi tu rentres là-dedans. Toi, vous êtes full, tu vas te déplacer là. Et le temps que la section se déplace, on va en faire quelque chose de très simple en fait. Ah. On va miner ça, parce que je vois que c'est pas vraiment le plus utile que je peux faire. Allez, hop, c'est bon, deux. Ah, il me pose pas, d'accord. Canon principal endommagé. Voilà. Alors, je pense qu'en attendant, des tombes pionnières comme ils permettent de réparer ne sont pas spécialement, on va dire, négatifs. Donc on va les utiliser. Après, je ne sais pas, jamais eu une attaque centrale, donc je ne sais pas s'il peut tirer là. Normalement, il peut, comme le bâtiment est tombé. Et en tout cas, j'espère. Alors, maintenant que tout ça est fait avec des petits lacs dans tous les sens, c'est juste génial. Et surtout, soldats, préparez-vous à vous mettre à l'abri dedans. Au moins. Ah, ils ont plus beaucoup de budget, hein. Ils sortent du Sherman bas prix maintenant. C'est franchement salaud que je fais. C'est PD. Je ne me cache pas, là je joue vraiment mon trou du cul, mais bon, après tout. C'est ma doctrine et je vais pas changer juste pour les beaux yeux des ennemis, quoi. Mais oh. Hop, barrez-vous. Si je peux faire après passer mes véhicules là, bah j'essaie de trouver une autre place pour lui, mais bon. Normalement, je pensais que ça passait. Je crois que ça passe. Hop, tac, voilà. Ça passe déjà mieux. Il est temps d'y aller. Donc, vous voyez, les jetons pionniers, et ce qu'ils sont mis, ils sont déjà armés de MP44. Ils peuvent être armés de lance-flammes. Et en plus de MP40. Donc c'est franchement génial. Les jetons pionniers. On est prêt à foncer. Choisissez bien. Voilà. Ne vous arrêtez pas, continuez de courir. Alors, vous allez récupérer parce que avec cette force-là et une autre force, je vais en fait préparer une attaque, surtout me mettre dans le village, et vous montrer de quoi sont capables les Fashimegger. Les Fashimegger en fait, donc vous voyez, ils ont un Panzerschreck qui est parachuté avec eux. Les Garbeyjäger ont une MP34. Ça apporte une MG42 et un mortier de 80 mm, qui est très pratique quand vous êtes trop en avant et que vous devez rapidement vous défendre. Donc ce qui est bien avec eux, c'est ça. Voilà. Appui de feu de 88. Alors je ne sais pas si maintenant ça prend tous les 80 sur map ou juste ceux de notre tactique ou doctrine. Donc ça, je vérifierai avec un ami qui joue au mode. Donc pour ça, on verra. Je ne veux pas dire de bêtises. Et là, vous pouvez peut-être constater que ma défense est quasi finie. Ah, tatata. Ouais, on va plutôt faire ça. Donc j'avais sorti le Bergentiger justement pour en fait, broyer tous les trucs qu'il y a sur la route. Mais finalement, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, on va le... Merde, zut. Bah, excusez-moi, le gros mot est sorti totalement tout seul. Je pense qu'on va être à 40 minutes de jeu, alors je suis vraiment désolé. Mais voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo dégueulasse. Je vais vous sortir une section de Gebir. Comment ça s'appelle? De Gebirjäger. Tac, on va les parachuter, c'est quand même 550. On va attendre, on va juste... Ah, on va aller à notre Sherman qui passe. Coucou. Oui, mais toi de flanc, c'est la meilleure technique que tu puisses faire. J'adore ce 88. C'est vraiment être sale, hein, de jouer comme ça. Mais j'adore ce 88 mm. C'est totalement débile, mais je l'adore. Ah. Il fait un peu suer. On va tout petit peu le reculer, pas trop non plus. Voilà. Et on va pile l'accès. Voilà. Donc le 88 est prêt. Voilà, ça y est. En plus, vous voyez, il est petit. Après, je peux mettre aussi le gros dedans, hein, de la doctrine défensive. Hein. Ça, il n'y a pas de souci.
Mais oh, mais c'est qu'il y a un assaut en bas. Il y a un vilain assaut de German là. Donc vous voyez, je vais parler un peu plus fort en fait, parce que Blitzkrieg ont vraiment rajouté plein de choses sur les véhicules. Et ça rend vraiment beaucoup plus réaliste. Donc là en l'occurrence mes hommes se font pas mal. Ils prennent cher leur gueule, hein, ça je vais pas le cacher. Hop, on va réparer ça rapidement. Il construit, je vais pouvoir lancer les Gerbinjäger avec moi. Ont été déployés pour infiltrer des positions ennemies. On va créer un Panther. Ouais, on va te mettre avec l'autre véhicule là en fait, qui seront les véhicules en rab clairement que j'aurai. Donc là, vous voyez, hop, les Gerbinjäger sont aussi de très belles unités point de vue des uniformes. Tac, je prends le soutien et tac, MG34. Par contre, eux n'ont pas l'appui de 88. Ils ont les Gerbinjäger, donc ça, un point de repli, à changer aussi. S'ils pouvaient le changer, ça serait franchement génial. S'ils peuvent pas, bah c'est pas grave, donc prendre en fait un drapeau, vous savez, tout simple, comme il y a dans Battle of the Bulge. Mais bon, c'est les modes, je vais pas leur forcer. Donc voilà, on a un point de repli. Maintenant, quand je prends l'unité annexe, normalement, voilà, j'ai les points de repli désignés. C'est-à-dire, en fait, mes unités ne se replieront pas au QG, mais se replieront ici. Et vous avez aussi pu constater que les Gerbins, ils ont ça. Les canons d'infanterie de 75 mm. Donc je vais attendre pour l'avoir. Par contre, là... on va dire que je prends cher, donc on va bouger mon véhicule. Toi, tu vas te déplacer aussi. Bon, j'écrase des buissons hein, parce que le tigre il est gros. Hein. Ça après, comme ma faute. On va le ranger. Tac. Doucement. Je vois qu'il y a un sacré assaut ici, hein. Je pourrais bien sûr envoyer un panthère, mais vous pouvez constater que je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc je vais le faire dès que je peux bien sûr, hein. Dès que j'ai l'argent pour faire le panthère, je le fais. Alors eux ils attendront ici. Eux c'est réparé, vous pouvez replier. Donc le 88. Ah, il lance l'assaut, ils en ont marre. Oh, mais un autre 88, et un autre... Et le pack qui rejoint avec 88 DR son tas de points. Bon bien sûr là normalement il pourrait tirer, mais en fait il y a que des buissons bloquent la vue. C'est pour ça qu'il ne tire pas. Allez hop. Point de repli. On pourra les livrer. Voilà. Paf, paf, paf. Donc c'est pas tout à fait vrai. Hein. Je ne fais pas la terre brûlée hein, dans cette doctrine. Hein. C'est pas... On va dire que ce n'est pas légal tout ça. Donc, un panthère qui est un panthère début de production. Bon, on va pas s'en plaindre. Le skin non plus. Je vais pas râler là-dessus. Ah, je vois par contre que mon MG42 a pris quelque peu, on va dire, cher. Donc, là, vous voyez, il se replie vraiment jusqu'au point de repli. Voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo sur la défense de Vallée de la Vire, et là, c'est vraiment ma défense finie. Hein, je veux dire, je vais pas plus mettre sur mes points de défense. Des fois, je vais bouger mes unités, mais il n'y aura pas plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées, peut-être vous donnera envie de jouer avec moi ou contre moi, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous avez des idées de cartes avec lesquelles vous voulez que sur lesquelles je fasse des défenses ou autres, bah vous me le dites, je suis prêt à le faire. Je suis ouvert quasiment à tout là-dessus. Donc je vous dis aussi à plus en fait dans les prochaines vidéos, donc ce sera la prochaine mission, ce sera la semaine prochaine. Et peut-être à tout de suite ou un peu plus tard, car on va reprendre avec Falky les vidéos de GTA San Andreas. Donc voilà, c'était Geoffrost68. Et bah en fait je vais, avant peut-être de vous vraiment vous dire au revoir, je vais vraiment faire ça, donc on va vite bouger les hommes. Allez bouge ton bouti. Et voilà, on a le panthère en plus, c'est génial, regardez comme il est beau. C'est un panthère gris mais c'est un début de production à cause du tourello. Hop, tac, on le déplace là-bas, toi c'est prêt. Allez, hop. Donc, vous voyez, j'ai aussi une portée, je suis pas non plus illimité. Donc on va dire, hop, mon dieu, il y a des américains,
Allez, ici. Maintenant, vous là-dedans. Et vous voyez que tous les 88 se lèvent en position artillerie pour tirer. Pour tirer en fait sur la position. Et qui fait en fait permet de faire un mix entre artillerie et canon tir. Et c'est super super pratique. Donc vous voyez que lui il s'est retourné. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus dans la prochaine. C'est Geoffroy68. Merci à tous et bisous. Salut. Et au Wiedersehen en allemand.